Eh bien, salut tout le monde, c'est Tuto Dany, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va en tout cas. On se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, on se retrouve sur Call of Duty World at War pour un petit match à mort par équipe sur la Cliffside. Et je vais vous dire pourquoi. Bah, ça faisait 2 semaines que je vous ai pas fait de vidéo et vous parler un petit peu des anciens Call of Duty. J'espère que ce live vous plaira. À tout de suite. Donc voilà, on est en live commentary et je tenais à vous faire enfin une nouvelle vidéo. Ça faisait bien longtemps que je n'avais pas refait une nouvelle vidéo, donc je tenais un peu à m'excuser du retard de mes vidéos et vous dire durant cette vidéo pourquoi je vous ai pas fait de vidéo depuis 1 à 2 semaines, et aussi vous parler des anciens Call of Duty, mon avis sur ceci. Est-ce que vous préférez les nouveaux Call of Duty, c'est-à-dire Call of Duty Modern Warfare 3, Black Ops, etc. Ou vous préférez les anciens Call of Duty, qui étaient simples avec 3 killstreaks, etc. Donc cette vidéo est dédiée à ce petit débat. Donc voilà. Alors, allez, allez. Ok, j'arrive pas à le tuer. tant pis, petit fail. Donc, tout d'abord, je tiens à m'excuser du retard de mes vidéos. Pourquoi je vous ai pas sorti une vidéo avant? Pourquoi je vous ai laissé comme ça sans vous dire ouais je serai pas là? J'ai écrit sur ma chaîne YouTube que je pouvais plus faire de vidéos, mais bon, comme je sais que tout le monde ne regarde pas les commentaires de la chaîne tout simplement, et je tenais à le préciser en vidéo. Alors tout d'abord, pourquoi j'ai plus cette vidéo? Parce que ma connexion me permet plus trop de faire tourner pas mal de jeux sans bugger. Elle passe de 1 à 4 barres, on ne sait pas pourquoi. Ensuite, mon PC commence un petit peu à ramer et à faire tourner les jeux un peu moins bien qu'avant. Donc ça aussi c'est assez chiant. En gros, avant je faisais tourner des jeux en très bien, et maintenant je les fais tourner en moyen tout simplement. Donc c'est assez chiant. Voilà, j'ai libéré l'avion de reconnaissance si je sais bien. Donc les armes secondaires sur ce Call of Duty, elles sont pas mal puissantes, hein, je trouve, hein, je sais pas ce que vous en pensez. Donc on va se recharger. Ah mince, c'est un chien, donc il nous tue en 2 coups, donc j'ai eu de la chance. Je suis pas mort, mais donc en 2 morsures on meurt, donc c'est beaucoup plus réaliste et sympa pour nous. Comme ça, et on se pas tuer directement. Donc j'ai me cacher, j'ai pas mourir, essayez pas faire l'idiot. J'ai envie d'avoir mon bombardement d'artillerie. C'est la première fois que j'en ai un, parce que nous aurons vraiment pas souvent à ce Call of Duty World at War, hein, et à Call of Duty en général tout simplement. Donc voilà. Ensuite, ma connexion me permet pas, mon PC commence à bugger. Donc pour remédier à ce problème, je vais essayer de rendre mon PC un peu plus fluide en désinstallant quelques jeux. Ensuite, pour les vidéos sur les free to play, les présentations de l'univers du PC, j'ai enfin continué cette série. Donc en gros, j'ai beaucoup plus travaillé les vidéos pour vous présenter un bon free to play avec un bon commentary. Donc vous présenter correctement le jeu avec une partie live, une partie différée, une partie de ce que j'en pense du jeu et de ce que pensent mes amis ou pourquoi pas mes abonnés tout simplement. Donc voilà, c'est vraiment une vidéo que j'ai pas mal travaillé, une série surtout que j'ai pas mal travaillé. Donc on va un petit peu le balancer n'importe où, mon tir d'artillerie. Donc voilà, alors on est sur des serveurs dédiés, et maintenant je tenais à présenter un petit peu mon point de vue sur les anciens Call of Duty. Alors mon point de vue, c'est que pensez-vous des anciens Call of Duty par rapport aux nouveaux Call of Duty? Donc ce que j'entends par que pensez-vous des anciens Call of Duty, ça veut dire préférez-vous des nouveaux Call of Duty ou des anciens? Donc des Call of Duty simples, sans prise de tête, où on s'amuse. Oui mes chiens. Oui, je pense que j'ai mes chiens normalement. Ça serait la première fois si j'en ai. Et oui, j'ai des chiens. Bon, je suis vraiment super content. C'est la première fois que je libère des chiens. Donc, moi, je préfère les anciens Call of Duty. Pourquoi? Tout d'abord parce que je trouve qu'ils sont simples. On se prend pas la tête. On joue pour s'amuser. On joue pas que pour gagner. De plus, je trouve que sur les anciens Call of Duty, on retrouve plus de plus gros niveaux. Parce que c'est plus les anciens joueurs de Call of Duty qui reste sur celui-ci. Et alors que maintenant, sur les nouveaux Call of Duty, il y a beaucoup plus de débutants qui sont là, etc. Donc voilà. Donc moi, je préfère vraiment les anciens Call of Duty. Ensuite, j'arrive pas à lancer mes chiens, ça faut pas me demander pourquoi. Ensuite, je trouve qu'ils sont assez simples. On a 3 killstreaks, on se prend pas la tête. Tout le monde est assez équitable. Alors que maintenant, on a des killstreaks
pour aider un petit peu trop les débutants. Et je trouve que maintenant ils aident un tout petit peu trop les débutants avec des kits soutien, spécialistes et tout. Et je trouve qu'il faut laisser un petit peu de challenge aux débutants de s'améliorer tout simplement. Hein. On va pas tout leur faire non plus, c'est à eux de s'améliorer, donc voilà. Alors là je fais pas mal une bonne partie quand même. C'est pas si nul, donc voilà. Ensuite, et il faut aussi qu'ils fassent un Call of Duty simple, sans prise de tête, où on s'amuse, pas un Call of Duty où il y a trop de kill streak, on veut débloquer la mob. Peut-être que la mob c'est sympa, mais je trouve que ne pas avoir de gros kill streak nous permet de plus rusher, de plus nous amuser, alors que je trouve que la mob, c'est pas un truc qui fait camper, mais pas mal parce que quand on est à 2-3, on est obligé de rester dans un coin, on va pas rusher et après on va s'énerver. Et je trouve qu'on rage beaucoup moins sur les anciens Call of Duty. Alors pour moi, un Call of Duty qui serait parfait, c'est de faire un Call of Duty simple et sympa. Et là, j'espère que ce Black Ops 2 sera un Call of Duty où on va s'amuser, on va pas se prendre la tête. Donc voilà. Alors ensuite, maintenant, durant cette vidéo, je voulais un petit peu vous parler des free-to-play et des jeux indépendants. Donc je vais vous faire une série dédiée à ces jeux-là. Donc des jeux pas chers et super bien et des jeux gratuits et sympathiques. Donc je vous ferai des vidéos assez bien travaillées pour vous présenter ces jeux tout simplement, donc voilà, en espérant que ça vous plaise, et aussi des vidéos fun avec mes abonnés. Donc là on a atteint les 300 abonnés, un grand merci à tous, ça me fait vraiment super plaisir qu'on a atteint ce chiffre. Donc pour les 300 abonnés, j'ai pas organisé d'open lobby et tout, parce que à chaque fois j'organise des open lobby, il y a personne qui vient. Je pense atteindre les 400 abonnés et cette fois-ci organiser correctement un open lobby pour mes abonnés. Donc voilà, j'ai ramassé une Thompson chargeur camembert, c'est assez sympathique comment c'est fait. Donc ça, un allié m'a fait peur, hein. J'ai cru que c'était un ennemi. Alors ensuite, je vous donne mon Skype et mon Twitter pour me suivre. Donc je serai beaucoup plus actif sur Twitter. J'essaie de le faire, hein, j'ai envie de vous dire. J'essaie de tenir cette promesse d'être un peu plus actif sur Twitter, parce que j'y suis pas trop, mais pourquoi pas organiser des open lobby et tout sur Twitter. Donc voilà. Donc j'ai encore débloqué mon tir d'artillerie. C'est vraiment très rare que j'arrive à faire une partie assez potable sur ce Call of Duty. Donc voilà, alors on est sur des serveurs dédiés. En gros, les parties peuvent aller jusqu'à l'infini, ce qui est assez chiant. C'est pour ça que je reprocherais un petit peu ça au serveur dédié. Mais maintenant, on peut se prendre qu'un de connexion. Donc voilà, je pense avoir parlé d'un maximum de choses. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc on a atteint les 300 abonnés. Un grand merci à tous. De plus, c'est une vidéo retour aux sources, parce que il y a très longtemps, je vous avais fait une vidéo sur Call of Duty World at War. Il y a beaucoup d'abonnés maintenant qui n'ont pas visionné cette vidéo, mais j'espère que ça rappellera certaines choses aux anciens abonnés. Voilà, moi je vous dis à plus tout le monde, c'était Tuto Dany pour une vidéo sur Call of Duty World at War.